Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 259e épisode de notre Let's Play Station Heroes saison 5 sur Vulcain. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut récupérer de la flotte différemment. Allez, en route. Ce qui serait possible avec un reader et un writer. Je pourrais rajouter d'autres radiateurs. C'est open, oui, c'est ça. Je pourrais techniquement rajouter d'autres radiateurs en les connectant que d'un côté. Et diminuer les quantités de matière requises. Ou ne pas diminuer, mais augmenter du coup la vitesse de traitement. J'ai envie de laisser tourner un peu comme ça. Là, on est bien. On a 11 kmol dans le circuit principal. Ça, c'est le circuit principal. J'ai pas mis... Non, j'ai pas mis de séparation. On a 11 kmol dans le circuit principal. C'est correct. Et combien dans le tank? À peu près pareil, je crois. 9. Il y a plus dans le circuit que dans le tank maintenant. Le circuit est énorme. Mon circuit est plus gros qu'un tank. Ouais, bah c'est comme ça. Hein. Ce tank ne sert plus à rien. Il est plus petit que le circuit. Donc, ah, ça, c'est une façon d'avoir de la flotte. Deuxième façon d'avoir de la flotte... C'était en passant par le trader. On pourrait sans problème acheter de la flotte à un vendeur de flotte. Et en faisant ça... Par contre, oui, pour faire ça, il me faudrait des trucs à lui vendre. Donc, peut-être que ça serait une idée d'adjoindre une fusée à la tour de trading pour récupérer du junk et envoyer le junk. Mais déjà, oui, je voulais tester ce qui est à ma disposition comme junk actuellement. À savoir de l'uranium. J'ai beaucoup d'uranium qui me sert à rien. Oh. Non, silver. Biomasse. Uranium. Tu es là. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye de lui vendre de l'uranium? Il accepte l'uranium. Même pour une misère. Ah oui, aussi, il faut que je fasse le... Que je passe les chutes et que je passe la tuyauterie pour la tour de trading que j'avais pas passé. Mais on va voir déjà ce qu'il prend pour... Est-ce qu'il me prend ça ou pas? Un trou dans la raquette. Et où? Là. Il n'y a pas d'autre? Valère. Ça peut être fâcheux.
trade, tiens, vas-y. Interrogate-moi ça. Tu as 400 d'uranium. Interrogaté. Tu peux land. Te voilà qui arrive. Il faut que je mette des barrières aussi ici. Bonjour Gastrade. Alors, est-ce que tu acceptes? Ouais. Ah, ta flotte elle est chaude un peu là. Elle est très chaude. Elle est trop chaude. Va-t'en. J'ai Hydration Critical et j'avais mon Waste Tank qui était pas loin d'être critical aussi. On va peut-être s'occuper de ça. Yeeha! J'ai changé de batterie aussi. Et glouglou. Ok. Donc moralité, je peux vendre de l'uranium au trader. Et si je trouve un gas trade qui a de la flotte pas trop chaude, ça peut être un bon plan. Tu es où? Mining backpack. Et c'est bien maintenant, j'ai un sas qui marche pour viser. Je peux me débarrasser de mon uranium chez le trader, ce qui est un bon point. Mais j'ai quand même envie de mettre une fusée de junk qui récupère n'importe quoi. Du coup, je sais plus ce qu'ils font maintenant. Faudrait que je... Non, je peux même pas lire la valeur. Petite fusée qui récupérerait du junk, qui l'enverrait là dans cette vending. C'est encore pire là.
Enfin, presque que j'en ai une à l'intérieur pour voir dans quelle position elle est. Allez! Allez. Je crois qu'elle est encore en train de bouger là. Antenne. Oui, bah elle commencerait au moins un peu à s'empirer, voilà. Je suis super loin. Pas où t'es. Mais non, c'est idiot ce que je fais. Un nouveau gas trade. Ah bah, tiens, toi. Combien tu me demandes? Deux. Bah voilà. Land. Bonjour. Coucou. Ah oui, c'est mieux ça. Je te prends ça, ça dit quoi? Je te vends pour 8000, je récupère 6000. Je ne rachète pas cher l'uranium, mais bon. Et oui, il y avait quelques molles. On va voir combien. On va voir combien en allant à un endroit où je peux voir combien. Comme directement ici. kmol. Donc on a récupéré 0,2 kmol. Plus celles qui sont allées dans le tank. Ouais, est-ce que c'est viable comme solution sur le long terme? Pas trop. Pas trop. D'autant que est-ce que c'est vraiment 11,2 ou est-ce que lui a tourné? Non, t'as 1556 Kelvin. Clairement, t'as pas tourné.
9,11, 11,2. Donc 330 molles j'aurais récupéré. Sauf qu'entre temps j'en ai peut-être consommé. Pas produit, ça c'est sûr. Ah, vraisemblablement. Mais consommé. Que faire? Est-ce que je considère que c'est une solution viable ou pas? De passer par le trader, parce que c'est... Déjà, je peux faire beaucoup avec... Salut, Demon Dracos. Je peux vendre pas mal de... d'uranium. Je peux vendre pas mal de minerais en surplus, donc... refaire une fusée pour récupérer du junk, juste pour le vendre. Ça n'a que peu d'intérêt. Hmm. Sinon, toi, cette volume pump, je voulais revérifier ce que j'avais mis sur les... c'est toi qui as LVP2 et LVP3. J'ai pump P, pump N. J'ai foutu. J'ai mis comme code là-dedans. Ah non, à chaque fois j'ai les deux. Reviews, next. Next, c'est la 3, previews, la 2. Et j'ai le sensor 3. Voilà, j'ai H2 combusteur. J'ai LPA2. LPA3. RAD3. Tank big. LPA2, RAD2, H2 combustor. Et... C'est pas possible, qu'est-ce que j'ai foutu là-dessus?
pas mis le même code sur les deux? Pourquoi j'ai mis le combustor ici? C'est pas logique mon code. Qu'est-ce que je gère comme volume pump là? Je gère la 2, mais je gère par rapport à la 1. C'est la 2 que je gère. Celle-là. Pourquoi j'utilise le combustor ? C'est cracra mon truc là. C'est cracra d'autant plus que là t'as LVP1 qui est... Qu'est-ce qu'on en fait de LVP1 ? Une porte. Liquid Volume Pump 1. Pump L. D'accord, je récupère juste son état. Donc il faudrait que je récupère l'état et la pression des deux. Donc celui-là. Celui-là, j'ai plus besoin. De ça, je peux faire un... Je peux crier define, apparemment. Define. Combustor, je t'ai plus en tête. Comme ça, et du coup...
load batch R4 combustor mode maximum. Et un load batch R4 combustor pressure output average, de toute façon c'est la même. Et donc je veux activer ma pompe si c'est set greater than si R4 est supérieur à 100 et je fais un end R3, R4. Donc je rajoute en condition pour activer ma pompe précédente que mon... que la pression en sortie de mes combustors soit supérieure à 100 kPa. Ensuite, de ce côté-là, on a la pump next. On set la pump previous en fonction de la pression, mais on va avoir besoin du sensor previous en D5. C'est ça. Le PA2 à mettre ici. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!